Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 9e meeting de cette saison 2019. Rendez-vous au circuit du Red Bull Ring chez Red Bull sur les terres autrichiennes pour cette épreuve qui s'annonce eh bien, sous les meilleurs auspices pour l'instant. Début de week-end plutôt calme, une météo couverte mais pas de risque de pluie annoncé pour le reste du week-end. On est plutôt confiant donc du côté des qualifications avant de prendre la direction de la première séance qualificative. Vous le savez désormais, nous allons passer en revue le circuit avec un tour en caméra embarquée. Pour ce Grand Prix d'Autriche, nous avons évidemment fait appel à une Red Bull, celle de Max Verstappen. Vous le voyez, le retour de Marcus Ericsson chez Sauber. Il est actuellement présent puisque voici Antonio Giovinazzi installé chez Ferrari. Le retour de l'Italien dans le cockpit de sa Ferrari. Alors qu'on découvre justement le tracé du Red Bull Ring avec cette ligne de départ et cette longue montée qui nous amène vers le premier freinage, un endroit où il se passe toujours quelque chose ici. Il y a souvent des heurts au premier freinage. On enchaîne avec la première zone de DRS qui est activée pour la remontée vers le deuxième partiel. On passe l'épingle et voici donc cette deuxième zone de DRS. Et au bout de la ligne droite, le second partiel. Et on freine ici dans un droit en dévers très complexe qui se prend en troisième. Ici, quand il pleut, on a souvent des pilotes qui vont eh bien, avec la tendance à sortir trop large dans le bac à gravier. Le troisième partiel que l'on entame avec un enchaînement plus serré. Hein, retrouver vraiment plus d'adhérence est nécessaire ici. On passe beaucoup moins vite que sur le reste du tracé qui n'est pas le plus petit de la saison. C'est le deuxième plus rapide après Monaco. Record du tour ici, 1.03.130. Et on en termine avec l'ouverture du DRS à la sortie du dernier droit. Maintenant que vous avez vu un tour de présentation de ce circuit du Red Bull Ring, place à la séance qualificative du samedi après-midi. Le soleil accompagne les pilotes pour une séance qui eh bien, est importante puisqu'il faudra voir si Giovinazzi pourra se réadapter à la Ferrari pour sa première séance avec la Scuderia. On voit ici Stoffel Vandoorne, un McLaren pour qui ça ne va toujours pas. Ils sont à égalité de points avec l'équipe Haas. On découvre voilà la monoplace de Marcus Ericsson et désormais eh bien, arborant le numéro 9. Le Suédois est de retour, Raikkonen est de nouveau à pied, et il a dit qu'il était très content que Ferrari l'avait rappelé. Il était satisfait du travail accompli et pourtant il n'a pas forcément fait beaucoup mieux que ce qu'avait fait Giovinazzi. Mais allez comprendre, voilà donc le retour en rouge de l'Italien. Premières images avec donc les pneus ultra soft à la gomme, la plus tendre à la disposition des pilotes ce week-end. Avec donc cette première zone DRS. Donc 3 sur le circuit, c'est assez rare pour le mentionner. Deuxième, dans cette Q1, il faut se placer parmi les 15 meilleurs. Passage assez fluide, la Ferrari qui a l'air de convenir beaucoup mieux aux pilotes italiens qu'en début de saison. La voiture qui a pas mal évolué, hein. Vettel qui reste sur 2 victoires consécutives, peut-être une troisième ce week-end, même si le circuit pourrait faire la part belle au moteur Honda et au Red Bull. Giovinazzi qui s'est déjà imposé une fois, c'était au Grand Prix de Monaco, raté la victoire en Espagne. Peut-être qu'avec la Ferrari, ça va beaucoup mieux se passer. Regardez, là, il est très rapide par rapport à la Haas. Il va même profiter de l'aspiration de l'autre monoplace et ce sera le meilleur temps provisoire. Et c'est ce qu'on communique à la radio au pilote italien. Meilleur temps provisoire de cette première séance. Les deux Ferrari sont devant avec un écart d'une seconde 4 tout de même puisque Vettel et Ricciardo sont 2 et 3e en pneus super tendres. Derrière, on notera l'élimination de différents pilotes, dont Lewis Hamilton. Ça, c'est l'information. Hamilton qui est très très loin, semble-t-il, des problèmes électroniques sur la Mercedes qui l'ont empêché de participer pleinement à la première séance. Les 18 minutes n'ont pu être correctement exploitées. Notons également un souci pour Sergio Perez qui vient d'officiellement annoncer qu'il devra subir une pénalité pour changement de boîte de vitesse dans ce Grand Prix d'Autriche. Alors, la Q2, cette fois-ci 15 minutes pour les pilotes signés le meilleur temps possible. Il faut se mettre parmi les 10 premiers pour accéder aux 12 minutes de la Q3. Toujours un ciel plutôt clair ici. Et on voit les deux Ferrari qui évoluent l'une derrière l'autre. C'est un petit peu la combine hein, pour réussir à être sûr de se mettre en Q3.
attend donc un duel Ferrari Red Bull sur ce Red Bull Ring, baptisé Zeltweg initialement, ensuite le A1 Ring, beaucoup de noms, l'Österreich Ring, la piste qui a énormément évolué au fil des années. On se souvient de ce dernier virage à droite, cette immense courbe dans les années 70 et 80. Et on en termine pour Giovinazzi dans cette Q2. Vettel, meilleur temps, et Giovinazzi, meilleur temps à son tour. That's the fastest lap so far. Well done. Et on confirme donc la bonne forme du côté des Ferrari. Mais ce sont finalement les deux Red Bull qui, dans cette Q2, vont se mettre devant et regarder les écarts 6 millièmes. Tout le monde est passé en ultra soft, donc demain, les stratégies seront identiques pour tout le monde. Allez, on ouvre le DRS. Le début de la Q3, la lutte pour la pole position qui va donc opposer les Ferrari au Red Bull. Peut-être les Renault auront leur mot à dire. En tout cas, chez Mercedes, il ne reste que Valtteri Bottas. Et on notera aussi la belle performance de Marcus Ericsson qui se hisse pour son retour en Formule 1 en Q3. La descente. Dans le deuxième partiel, pour l'instant, personne n'a signé de chrono. Les premières voitures vont arriver. Voilà, Sainz qui est pour l'instant le plus rapide dans le deuxième partiel avec la Renault. Il faudra surveiller les Renault, même si elles n'ont pas forcément le moteur idéal pour être rapide sur un tour. 1.07, 1.05 pour Ricardo. Ça, c'est très bien de la part du pilote australien. On attend Bottas. Bottas qui ne fait pas mieux. Et Giovinazzi, la pole provisoire. Fantastic. That was the fastest lap. La pole provisoire pour le pilote italien. Mais au terme de cette Q3, c'est Sébastien Vettel qui signe le meilleur temps devant Verstappen, Giovinazzi et Red Bull. Le duel annoncé sera donc bien tenu dimanche. Et surtout derrière, on retrouve les deux Sauber et malheureusement les deux Renault 9 et 10e. Belle journée. Dites-nous comment vous vous sentez. Vous avez déjà pris vos marques au sein de votre nouvelle équipe? Vous vous sentez à l'aise? Vous avez réalisé une belle séance de qualification. Vous allez profiter de cet élan en vue de la course? Bien, ce sera tout, merci. Depuis le site du Red Bull Ring ici en Autriche, bonjour à toutes et à tous, bon dimanche, bienvenue pour vivre la 9e épreuve de ce championnat de Formule 1 2019. Le soleil est avec nous, on espère qu'il le restera d'ailleurs pendant tout le meeting, puisqu'avec le Grand Prix de France où il y avait eu déjà de la pluie, et bien ici il y a des menaces sur la fin du Grand Prix. Ça a été le cas lors des dernières éditions et ça pourrait de nouveau jouer un élément important dans le déroulement du Grand Prix, avec notamment la gestion des stratégies des pneumatiques imposées par Pirelli. On est actuellement avec les premières images de la grille de départ qui est prête à partir, mais d'abord, il y aura un tour de formation qui verra donc Vettel avoir battu de très très peu Verstappen sur cette terre, puisqu'on attendait une pole position et des Red Bull. Il n'en est rien, c'est Vettel qui aura été le plus rapide avec la Ferrari. On retrouve ensuite Giovinazzi sur la deuxième voiture de la Scuderia pour son retour. Une première et deuxième ligne assez similaires. Ensuite, Bottas qui reste la bonne surprise avec la Mercedes, très délicate dans ce genre de tracé. Les deux Renault dans le top 10, la 11e place de Lance Stroll, c'est une bonne surprise. Et derrière, on notera parmi les pilotes en difficulté Kevin Magnussen, Lewis Hamilton qui n'a pas eu de soucis, qui s'est bien qualifié 18e avec une voiture très fatiguée. Et enfin, Sergio Perez qui partira 20e après un changement de bloc moteur. Okay, how was the pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat in the brakes as well. Les pilotes qui entament le tour de formation, il sera très rapide ici en Autriche avec le tracé, l'un des tracés les plus courts de la saison. Comme je vous le disais, les pneus à disposition, donc les pneus ultra tendres, super tendres et tendres. Et ensuite les intermédiaires et les pluies. Et pour l'instant, la météo est plutôt correcte. On n'attend pas de pluie durant la course. Il pourrait pleuvoir, mais une fois l'arrivée passée, donc pas d'alerte au niveau météorologique pour l'ensemble des pilotes. Vettel, sur deux victoires consécutives, est en pole position. Est-ce qu'il va pouvoir continuer sur cette bonne voie? Que va faire Giovinazzi? C'est des questions qu'on peut se poser. Les Red Bull vont-elles pouvoir se défendre? Allez, on confirme que la météo sera bonne. Ça, c'est une bonne chose aussi pour l'ensemble des pilotes.
On jette un œil ensemble, si vous le voulez bien, aux performances en qualification des équipiers. Et donc Hamilton qui a devancé 7 fois Bottas. Et derrière Alonso, même topo avec Van Dorn. Ensuite, eh bien, pas de grosse surprise si ce n'est Sainz et Hülkenberg, le pilote allemand plutôt en forme. On rappelle qu'Hülkenberg actuellement au championnat est 6e et Sainz 8e. On va surveiller donc les leaders de ce championnat. Giovinazzi 112 points, Vettel 105, et Ricciardo 101 et Verstappen 86. Et on attend évidemment le retour en grille de l'ensemble des monoplaces et on pourra ensuite assister à la procédure de départ de ce 9e Grand Prix de la saison. Attention à ce premier freinage, beaucoup de choses peuvent s'y passer. On a vu dans le passé des accrochages plutôt violents, on ne le souhaite pas évidemment. Donc l'attention est à son comble avant le début de cette procédure. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Les voitures sont en position, les feux rouges s'allument et c'est parti, on roule en Autriche avec un bon départ de Vettel. On s'est un peu loupé par contre du côté de Verstappen qui a un peu retenu son équipier. Giovinazzi à l'extérieur peut-être pour mettre les deux Ferrari devant. Attention tout de même à être côte à côte avec des pneus frais. On voit Bottas derrière qui est à l'affût et Vettel qui prend déjà l'avantage. Attention entre Verstappen et Giovinazzi. L'avantage pour le Néerlandais à l'intérieur. Passage du droit ici, pas de contact et ça va le faire. Attention, drapeau jaune derrière et Giovinazzi qui va passer alors que derrière Bottas surprend Ricciardo. On voit les deux Sauber qui évoluent également derrière, très très proche, blocage de roue pour Bottas. Et attention parce que ça résiste. Ouais, Giovinazzi qui s'est finalement décidé à laisser passer Verstappen. Eh bien, Vettel a déjà pris une belle avance alors que l'on a à peine un demi-tour couvert dans ce début de course. C'est pas terminé, la Red Bull Honda qui résiste. On voit encore l'explication entre les deux Sauber derrière. Vettel, donc premier, deuxième, Verstappen, Ricciardo derrière, pardon, qui a été dépassé par Bottas. Très bonne sortie de la part de Giovinazzi qui va passer la ligne deuxième. Ils sont côte à côte, magnifique. Et le freinage peut-être à l'avantage de l'Italien. Et ça semble fait, on n'a pas l'image. Oui, c'est fait. Les deux Ferrari devant. Attention parce qu'avec l'aspiration dans les grandes lignes droites, attention, deux roues dans l'herbe également pour Giovinazzi. Début de course très chaud entre ces deux-là. Et Verstappen qui repasse. Mais la relance de la Ferrari est bien meilleure que celui du moteur Honda de la Red Bull. Et donc, sur un tour, chacune a son avantage selon le partiel. L'attaque peut être à l'extérieur et pendant ce temps-là, il plonge, magnifique! Et on croise et on reprend la deuxième place pour Giovinazzi. Et Vettel qui est en train de fuir alors que... Ah! Information importante, on nous annonce de la pluie pour dans 20 minutes. Ça, c'est une nouvelle information. Hop là, Giovinazzi un peu large. Derrière, les deux Sauber sont bien passés avec Ericsson qui est passé devant son équipier. Eh bien, début de course, tout profit pour Vettel. Giovinazzi derrière qui a joué son rôle de second pilote pour l'instant. Et il est à l'attaque, hein, Giovinazzi, semble-t-il. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Allez, 1 seconde 7 et le meilleur tour en course pour l'Italien. Attention portée sur la lutte pour la 6e place entre les deux Sauber. Il y a beaucoup de points à prendre. Et c'est vrai qu'Ericsson est tout de suite dans le coup. C'est bon aussi hein, puisque Sauber, on le rappelle, au niveau du classement général, est 3e à égalité de points avec Mercedes. Et quand on voit Bottas devant qui est en train d'aller chercher Verstappen peut-être pour la 3e place, on se dit que les deux Sauber ont bien intérêt à rester dans ce top 10 jusqu'à la fin de la course. On en est loin évidemment. 3 tours sur les 36 à parcourir cet après-midi. Est toujours la deuxième place pour Antonio Giovinazzi et Bottas qui a donc pris le meilleur sur les deux Red Bull. Ça, c'est un peu une douche froide hein, pour les hommes d'Helmut Marko pour l'instant. Red Bull n'est pas au rythme des Ferrari. Le premier relais est encore long, évidemment. Il faut voir également la tenue hein, des pneus ultra soft de Ricciardo et de Verstappen. Peut-être sont-ils en train de tout simplement préparer une attaque un peu plus tard dans ces premiers tours. On le sait qu'il fait pour l'instant assez chaud et ils sont trois là pour la troisième place. Et attention l'attaque, vous ne le voyez pas, la Red Bull qui va venir, voilà Verstappen à l'extérieur de Bottas. Et il va passer Verstappen à l'extérieur, bien aidé par le DRS. Deuxième ouverture du DRS pour les deux Red Bull, pas pour Bottas qui n'était pas
À moins d'une seconde de la voiture qui le précédait, c'est à Ricardo maintenant de se porter à la hauteur du Finlandais. Attention, il ne se touche pas. Et maintenant, c'est au tour de Bottas et de Ricardo d'avoir le DRS sur Verstappen. Ricardo qui a un moteur Honda qui semble mieux respirer que celui de la Mercedes dans ses premiers tours de course. Grosse bagarre hein, dans le top 5. Et les deux Sauber qui continuent de s'expliquer derrière. Il y a des bagarres un peu partout là, dans le peloton. The energy store is getting warm, reducing our overall capacity. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. Et le passage difficile pour certaines voitures. On voit les deux Toro Rosso qui se battent et Brandon Hartley derrière Lewis Hamilton qui tente de remonter 13e place pour l'instant du côté de la Mercedes. Il partait 18e sur la grille. Pas de pénalité, mais simplement une voiture très fatiguée ce week-end pour Hamilton. Il a dit tout simplement que la voiture ne fonctionnait pas sur ce circuit et qu'il ne pouvait pas faire aussi bien que Bottas. Et c'est assez rare pour le souligner tout de même. Classement général, Bottas reste tout de même 5e devant Hamilton, puisqu'il est 7e séparé par Hülkenberg avec 61 points. Allez, l'attaque à l'extérieur pour Hamilton, qui prend le dessus sur la Haas. Sur la Williams, pardon. Je croyais que Magnussen était par là, mais non, il est derrière. Allez, retour en tête. Et regardez, Giovinazzi qui a comblé l'écart avec Vettel. Les deux Ferrari qui commencent à filer face au Red Bull, qui retiennent maintenant Bottas. Ils étaient à la bagarre. Alors maintenant, pour Giovinazzi, la leçon est claire. Il faut aller chercher Vettel, mais il ne faut surtout pas faire de bêtises. Et il y va! Vettel va y aller. Non, il plonge pas. Magnifique. Changement de leader. Vettel qui laisse passer donc Giovinazzi pour la tête du Grand Prix. Leclerc et Ericsson toujours à la lutte. Et c'est au tour du Monégasque de prendre le dessus sur son équipier. Juste devant les deux Renault et la voiture d'Esteban Ocon. Et nouvelle attaque d'Ericsson à l'extérieur. Oh, puis se touche. Oh là là. Il y a eu contact entre les deux monoplaces. Et finalement, Ericsson qui laisse filer la voiture de Leclerc. Reste en caméra embarquée. Et on revient sur l'explication pour la troisième position de ce Grand Prix entre les deux Red Bull. Donc les deux Ferrari se battent pour la première place, les deux Red Bull pour la troisième. Et Bottas qui attend derrière. Alors pour l'instant, Ricardo a le DRS. Peut-il aller chercher Verstappen au freinage dans le deuxième virage ? Ça va passer, hein. Ça va passer pour Ricardo. Côte à côte dans la descente. Verstappen obligé à l'extérieur sans doute de lâcher. Non, il continue côte à côte. Et tout ça, c'est bénéfice plein pour Ferrari qui va voir ses deux pilotes filer vraiment à l'avant du peloton. C'est incroyable ce qui est en train de se passer entre les deux Red Bull. Ils se touchent. Oh là là. Il y a eu contact entre le ponton de la voiture de Ricciardo et la roue de Verstappen. On a eu très très peur sur ce coup-là, alors qu'on n'a toujours pas vu d'image du départ. Habituellement, on a un replay. La réalisation n'a pour l'instant pas eu le temps, je pense, de nous le proposer. On s'est loupé! On s'est loupé pour, semble-t-il, la Red Bull de Verstappen. On est à bord de la machine du Néerlandais. Et on voit Bottas et Ricciardo qui s'expliquent derrière avec le DRS pour ces deux-là. Voilà, Verstappen qui va avoir du mal de résister. Les pneus commencent peut-être tout doucement à flancher aussi pour les pilotes en ultra soft. Et on essaie à droite, à gauche, et ça va de nouveau plonger pour Ricciardo qui reprend l'avantage face à Verstappen. Quoique, ça n'est pas terminé. Et on attend de la pluie dans 10 minutes. Alors là, Ça pourrait totalement bouleverser les stratégies mises en place. De la pluie dans 10 minutes. Je vous avoue que pour l'instant, il y a beaucoup de vent. Il y a quelques nuages, vous les voyez dans le ciel, mais rien de plus. Ah, et on annonce que Stroll a abandonné. On n'a pas vu ce qui s'est passé.
du côté de Giovinazzi qui prend encore du temps face à Vettel. Les ultra tendres et la Ferrari qui sont, semble-t-il, le combo le plus performant en ce début de Grand Prix. Et Vettel ne peut rien faire face à Giovinazzi qui a pris un départ plutôt propre, timide et qui ensuite a doublé les Red Bull et Vettel pour s'installer en tête de ce Grand Prix. Il y a des débris dans le premier droit. Alors on va revoir ce qui s'est passé. Ah ben voilà, voilà pourquoi il y a des débris dans ce premier virage. Il y a eu un accrochage entre Lance Stroll et Pierre Gasly. Et heureusement, on a pu laisser le pilote canadien sortir sa voiture de la piste. Oui, voilà, suspension cassée pour Stroll. Et ni voiture de sécurité, ni virtual safety car n'ont été déployés. Il a pu amener sa machine en dehors de la piste. Attention aux attaques sur Ocon pour les deux Renault qui viennent remonter le pilote français. Et c'est Sainz qui est le premier à partir à l'assaut de la Force India qui va réussir à passer, bien aidé par les deux DRS en amont et en aval du deuxième virage. Attention tout de même au moteur Mercedes d'Ocon. Clairement, hop, et ça bloque les roues pour le français. Ah oui, on vous l'a dit, les pneus qui commencent tout doucement à être usés dans ce premier relais. Et le Grand Prix qui se poursuit pour l'instant sous le soleil, mais la menace devrait être réelle. Alors on a vu évidemment dans le passé ici en Autriche, attention, Ocon à l'intérieur sur Sainz, il ouvre la porte un petit peu en forçant. On voit ça depuis l'arceau de la voiture d'Hülkenberg. On a vu dans le passé des chutes de pluie soudaines ici. C'est typique de l'Autriche, à l'image de ce qu'on peut avoir en Angleterre ou à Francorchamps par exemple. De Renault qui joue un jeu très dangereux. Et on voit derrière Alonso qui est avare de points puisque McLaren tente de repasser devant l'équipe Haas. Pour l'instant, ça semble bien parti pour aller chercher un petit point ou deux du côté de McLaren. Ok, you may start feeling some significant drop-off in grip around now. The data suggests the tires are getting quite worn. They may not last much longer. Et vous voyez l'usure à plus de 55% sur le train arrière de la monoplace de Giovinazzi. De quoi inquiéter peut-être les ingénieurs du côté du Muret Ferrari, puisque si la pluie arrive, devoir s'arrêter à 2-3 tours près, ça peut être un problème. Et du coup, partir avec ces pneus-là évitera un arrêt. Et on est à 60%. We're approaching the pit window. You'll be on the soft. 11 tours couverts sur les 36 de ce Grand Prix d'Autriche. 3 secondes 2 d'avance pour Giovinazzi face à Vettel. Et sans doute un arrêt qui ne va pas tarder à opérer pour les voitures de tête. Et le premier à opter pour la voie des stands, c'est Max Verstappen qui chausse un deuxième train de pneus ultra tendres, sans doute en attendant la pluie. Va-t-on opter pour la même chose du côté de chez Renault? Et non, on quitte les ultra soft pour des super soft pour Carlos Sainz. Et ce sont les deux pilotes à avoir opté pour la pit lane pendant ce 11e tour de course. Ça devient compliqué de tenir la voiture. On espère ne pas crever non plus parce que il y a des risques avec une gomme très, très usée. Alors Giovinazzi a un peu de marge, il peut laisser revenir un petit peu Vettel. Et avec l'arrêt de Max Verstappen, ça permet aux deux Sauber de se battre désormais pour la 5e position provisoire. Avec toujours Gasly devant, son équipier du côté de chez Toro Rosso, où il y a également lutte, on l'a vu tout à l'heure. Mais les deux Toro Rosso se battent, elles viennent de passer à 0-0-0-1 devant la ligne. Donc vraiment, c'est grosse bagarre là aussi, mais on est en dehors des points, donc voilà pourquoi la réalisation ne s'y attarde pas pour le moment. Allez, les deux Sauber, pas d'arrêt, on continue aussi du côté de la tête de course. Seul pour l'instant Verstappen a opté pour la pit lane et on se prépare chez Renault. On est prêt pour accueillir sans doute Nico Hülkenberg à la fin de ce 12e tour de course. Allez, du côté de Giovinazzi, on dit que la pluie devrait arriver mais seulement dans 15 minutes. Voilà l'arrêt pour Ocon et Hülkenberg. Ils étaient en lutte avant l'arrêt, ils le seront à la sortie de la pit lane avec l'avantage pour le français. Et donc du côté de Giovinazzi, on a un peu calmé les esprits en disant là là la pluie c'est pas avant 15 bonnes minutes. Alors je pense qu'un deuxième relais avec des super tendres serait intéressant pour tout le monde. Ça garantirait la performance et ça éviterait évidemment d'aller au bout si la pluie arrive. Mais pour l'instant, la pluie nous avait été annoncée comme arrivant après l'arrivée du Grand Prix. Peut-être que les choses ont évolué depuis. Le dernier bulletin météo à sujet daté d'avant le départ. C'est vrai qu'on est déjà au tiers de l'épreuve et qu'on a une vue peut-être un peu plus globale de ce qui va se passer au niveau de la météo. L'explication entre Leclerc et Ericsson. Est-ce qu'on va rentrer? Non. Continue aussi pour les deux là.
Semble-t-il Giovinazzi qui va être accueilli à la fin de ce 13e tour de course. Et regardez le peloton qui s'est resserré avec les deux Haas, les deux Force India et les Renault. Vous mettrez une McLaren et une Williams dans la soupe. Et 70%, hein. 70% d'usure sur le train arrière de la Ferrari. C'est très compliqué alors qu'ici Stoffel Vandoorne s'attaque à Carlos Sainz. Ou inversement plutôt, puisque Sainz ressort avec des super soft frais, là où Stoffel est toujours avec les gommes du départ. Et l'arrêt du leader. La pit lane, que va-t-on chausser? Ah, on met des pneus soft, ça c'est intéressant. Des pneus soft également pour Valtteri Bottas. Alors là, c'est vraiment pour dire d'aller au bout, qu'il pleuve ou non. Stratégie à un seul arrêt pour tous ces pilotes. Est-ce que Leclerc va prendre le risque? Effectivement. Eh bien, tous les pilotes qui ont réussi à tenir autant de tours avec ces gommes-là vont pouvoir repartir avec simplement un seul stop. Et c'est Alonso qui prend la quatrième place devant Giovinazzi, qui ressort juste devant Verstappen, qui a des pneus chauds. Ça va être dur de résister aux pilotes néerlandais pour la Ferrari pendant un petit tour, surtout avec des softs. Et l'attaque ici, c'est Hamilton qui tente de passer les Haas. Il est toujours bloqué, le Britannique, depuis le début du Grand Prix. C'est Grosjean qui, pour l'instant, tient à la 11e position. Il n'y a pas encore de points en jeu. Ils vont être à 3 de front, freinage. Et c'est la voiture de Magnussen qui va bloquer les roues. Attention! Oh là là, et ça passe miraculeusement. Hamilton qui n'a pas dû comprendre de voir deux Haas à l'intérieur. Et là, Magnussen qui est absolument en train de mettre le feu au milieu du peloton. Hamilton qui tente l'extérieur à nouveau, Grosjean qui est perdu totalement, il faut qu'il rentre le français parce que là, les pneus soft chaussés depuis le début de cette course ne tiennent plus. L'arrêt au stand de Sébastien Vettel, on n'a pas d'image pour l'instant. L'arrêt également pour Bottas, l'arrêt pour la Sauber et on continue du côté d'Alonso et de Verstappen qui a donc passé Giovinazzi. Verstappen devant Giovinazzi, donc à la régulière, le néerlandais est en tête de ce Grand Prix. Ah, il s'en passe des choses. Et voilà les deux pilotes Toro Rosso qui vont se lâcher un petit peu de vue avec l'arrêt de Pierre Gasly. Perez, voilà, tout le monde va passer en soft en gros pour aller jusqu'au bout. Et s'il pleut, eh bien on passera en intermédiaire. Mais là, sachez qu'à ce stade-ci, les pneus sont largement capables d'aller au bout. Alors pour l'instant, Alonso est en tête de ce Grand Prix avec tous les arrêts. Le pilote espagnol qui était parti avec des pneus super tendres va devoir résister. Mais ça va être difficile à Verstappen qui va faire l'extérieur, semble-t-il. Magnifique attaque du Néerlandais qui prend peut-être le commandement du Grand Prix. Il se touche. Il y a eu petit contact entre les roues des deux monoplaces, mais finalement, Verstappen a trouvé l'ouverture face à Alonso et s'empare des rênes de ce Grand Prix d'Autriche. Et on est debout devant nous dans la tribune. Ouais, forcément, hein, Verstappen qui prend la tête de cette course. Et Giovinazzi qui va à son tour passer Alonso. Promenade de santé terminée pour l'Espagnol. Ça aura duré deux tours. Sur un tout de même, Giovinazzi, hop, qui passe à l'intérieur. Bien joué. Allez, on motive le pilote italien peut-être pour aller remporter un premier Grand Prix sous les couleurs de la Scuderia. Ce serait évidemment magnifique, on n'en est pas là. Hein. Il y a encore 20 tours à couvrir et les menaces de pluie sont bien réelles. Hamilton toujours en proie à se battre avec les deux Renault qui sont boutés en dehors du top 10. Évidemment, des pilotes n'ont pas encore ravitaillé. Les pilotes partis en pneus soft et super soft sont encore en piste avec leur gomme du départ alors qu'il reste à peine 20 tours de course. Et l'attaque de Romain Grosjean sur Hamilton, bien aidé par le DRS. Un Grand Prix extrêmement animé, hein. Comme toujours en Autriche, on n'est jamais déçu de venir ici. Depuis le retour de l'épreuve au calendrier du championnat du monde, c'est beau, on est avec Ricardo. Qu'est-ce qui se passe? Hop, et une crevaison! Et c'est la deuxième crevaison en deux courses pour le pilote australien. Et c'est malheureusement juste après l'entrée des stands. Donc Ricardo va devoir faire l'entièreté du tour. Alors il n'est pas grand, c'est sûr, mais c'est terminé. Et ça va sans doute lui mettre un coup de massue par rapport à ce qu'il était en train de réaliser avec sa stratégie. Ah là 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 là, quel dommage pour Ricardo. Ça intervient. Ça intervient au pire endroit du circuit, hein. On a informé Giovinazzi de la situation avec Ricardo au moment où Red Bull est en train de couler l'attaque à l'intérieur de Giovinazzi pour la tête du Grand Prix. Ça ne passera pas, hein. Vettel derrière revient 3 secondes par rapport à Giovinazzi. Et du coup, Ricardo qui est quasiment out de ce Grand Prix. Il faudrait vraiment que la pluie vienne, mais il fait un peu moins clair que tout à l'heure. Vous voyez que les nuages sont plus nombreux, mais pour l'instant, pas de menace directe sur
le Red Bull Ring. En tout cas, Giovinazzi, Verstappen, c'est la lutte pour la tête de ce Grand Prix. Oh, attention, il est allé au large. Oh là 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 là, on est allé très large dans le gravier. Giovinazzi qui a dû être déventé par la Red Bull. Oh là là là, on a dû avoir une belle frayeur du côté de l'Italien. Et on le sent plus incisif, hein. Il a plus de marge avec ses pneus, là où Verstappen doit être un peu plus en délicatesse. Il va devoir stopper de toute façon le pilote néerlandais. Alors évidemment, chez Red Bull, on s'est dit il va pleuvoir. On va mettre ces gommes-là qui seront plus rapides. Et quand tout le monde devra passer en intermédiaire, eh bien, on aura été plus performant sur le deuxième partiel. Alors qu'on est avec Esteban Ocon, drapeau jaune, que s'est-il passé? Oui, c'est Ricardo qui est au ralenti en plein milieu de la piste. Ocon qui le percute. Ocon qui percute Ricardo qui était totalement en perdition sur la piste. C'est terminé pour le Français. On voit la suspension de la Force India qui n'a pas tenu. Ricardo qui tentait de braquer avec son pneu totalement démantelé de sa jante. Et finalement, c'est terminé. Attention à Pierre Gasly. Oh là là là, Pierre Gasly qui n'est pas passé loin de son compatriote. Là, on a eu très très peur. Retour sur la voiture de Giovinazzi. Et Ricardo qui tente de revenir. Ricardo qui tente de revenir au stand. Ça, c'est un replay de ce qui s'est passé tout à l'heure. Oui, le replay de l'instant où les leaders ont dépassé Ricardo. Et regardez Vettel qui, avec ce drapeau jaune, est revenu. L'attaque à l'intérieur de Giovinazzi une nouvelle fois. Oh là 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 là, c'est très très chaud. Et là, l'atout des Ferrari, c'est qu'elles sont deux face au pilote néerlandais. Il y va, Giovinazzi à l'intérieur. Oh, ça va être chaud. Et ça passe. Et Vettel va avoir le DRS à son tour, mais pas Giovinazzi. Est-ce que Verstappen va reprendre la tête du Grand Prix? Il tente l'extérieur dans le deuxième freinage. Et Vettel va-t-il se porter à la hauteur de son équipier? C'est Vettel maintenant qui attaque Giovinazzi. Vettel sur la gauche, Giovinazzi à droite. Et il reste derrière. Regardez, il n'y a rien entre les deux Ferrari. Vettel à l'extérieur. Bloque les roues pour Giovinazzi, mais ça reste actuellement la deuxième place. Effectivement, si l'Italien veut s'imposer à la Scuderia, c'est ce genre de choses qu'il doit faire. Résister face à son coéquipier. 5 minutes until rainfall expected. 5 minutes until rain. On nous laisse maintenant 5 minutes avant la pluie. Est-ce que Verstappen va tenir avec ses pneus ultra tendres avant l'arrivée de la pluie? Il faut qu'il reste devant les Ferrari et que si la pluie devient assez intense, il rentre évidemment changé pour des intermédiaires. Giovinazzi, nouvelle charge sur Verstappen au même virage qu'au tour précédent. Et le Néerlandais qui résiste une nouvelle fois. Il a même le DRS Verstappen dans l'aventure. Regardez ce trio infernal. Vettel qui va attaquer Giovinazzi maintenant à l'extérieur. Giovinazzi qui plonge et qui touche la voiture de Verstappen. Ils se sont touchés. Et Vettel qui arrive et qui va prendre la deuxième place. Et peut-être même la tête du Grand Prix à l'extérieur. Ils ont perdu beaucoup de vitesse. Les deux voitures qui étaient en tête se sont touchées. Et du coup, Vettel va peut-être récupérer la première place. Mine de rien, Bottas qui revient, on le voit sur certaines images. Bottas qui fait la jonction, on va peut-être avoir les 4 pilotes en 3-4 secondes. Vous avez la tête du Grand Prix à l'image, c'est quand même incroyable de se dire qu'ils ont fait plus de 20 tours à ce rythme-là et qu'ils vont encore se battre. C'est passé, je crois, pour la voiture de Giovinazzi, alors qu'on nous annonce officiellement du côté de la FIA qu'il pleut dans 5 minutes. Et imaginez si ces 4-là doivent rentrer dans les stands en même temps. Ferrari va avoir un gros souci de stratégie et Giovinazzi avec le DRS qui va aller chercher cette fois-ci Verstappen au premier freinage. Je vois mal Verstappen résister une nouvelle fois. Oh, il résiste tout de même, il sort au-delà des limites de la piste et c'est Bottas qui arrive et qui va prendre l'extérieur. Magnifique, la Mercedes qui va peut-être prendre le commandement en un virage. Oh, c'est absolument fou cette lutte à 4 pour la victoire et Bottas qui n'est pas passé premier pour très longtemps. Incroyable. Et bien voilà, s'il pleut dans 3 minutes, autant vous dire que le scénario de fin de course de ce Grand Prix d'Autriche nous annonce que du très très bon, de l'incertain. Bataille pour la 3ème place, rendez-vous compte, Giovinazzi allait prendre la tête à Verstappen. Finalement, il n'a rien pu faire pendant 3 tours et maintenant c'est à Bottas d'aller chercher le commandement de ce Grand Prix. Hop, attention. Oh, ils ont failli se rentrer dedans les deux pilotes Ferrari. Vettel est un peu en dérive, peut-être que les gommes soft fonctionnent mieux, mais...
Elles ont leurs limites également. Et retour au stand de Verstappen. Et ça, c'est important. Verstappen dans la pit lane. Les pneus ultra tendres n'auront donc pas tenu jusqu'à la pluie. Et je le vois mal monter des intermédiaires alors qu'il fait encore sec. Et bien voilà les Red Bull qui n'auront donc pas leur part du gâteau à la maison. Et on retrouve donc Bottas en tête de ce Grand Prix d'Autriche devant Giovinazzi et Vettel. Quatrième place pour l'une des Sauber. Ce devrait être Charles Leclerc. Alors pour l'instant, pas de goutte de pluie. Hein. On est évidemment dans l'expectative d'un peut-être début d'ondé. Mais pour l'instant, vous le voyez, les voitures sont parfaitement sèches. Et oh, ils se sont touchés! Et attention, Bottas qui a cassé son museau! Bottas qui a cassé son museau. Est-ce que la Ferrari a des dégâts sur le ponton? Ouais, Bottas au ralenti! Bottas au ralenti! Il a sans doute cassé sa voiture. On a entendu le bruit du choc de la Mercedes avec la Ferrari. Et Giovinazzi n'a peut-être pas subi de dégâts, mais Bottas, lui, a perdu un morceau d'aileron. Il ne m'étonnerait pas de voir toute l'équipe Mercedes sortir pour accueillir le Finlandais d'ici quelques secondes. Hop, il y a peut-être une goutte ou deux qui tombe là, hein, du côté des voitures. Alors, Bottas a-t-il continué? Je ne le vois pas sur nos écrans. Alors que pour la sixième place, on a les deux Renault qui remontent. Renault actuellement 5e au classement, 13 points derrière Mercedes. Ça pourrait être une bonne opération aussi pour la marque Losange. La fiabilité qui avait fait défaut à Nico Hülkenberg au Grand Prix de France, obligeant l'Allemand à abandonner. Alors que Sainz avait fait une très belle performance, terminant 4e. Et les pilotes toujours mieux armés avec les pneus soft qu'avec les ultra soft ou les super soft. Et s'il pleut, je vous rappelle que la règle obligeant les pilotes à passer deux types de gommes différentes pendant la durée de la course, eh bien, n'est plus d'application. Attention à Vettel hein, qui revient maintenant sur Giovinazzi qui va prendre la tête du Grand Prix. Voilà, pas beaucoup de résistance de la part de l'Italien. Attention, il y a de la pluie dans le deuxième partiel. Goutte de pluie rapportée dans le deuxième secteur. On est sur la partie haute du circuit, c'est là où sont les Ferrari. Effectivement, on devine peut-être quelques gouttes, mais ça n'est pas clair à la caméra. En tout cas, la bataille pour la tête de course est importante, et pour le classement constructeur, et pour on va dire l'organigramme interne hein, chez Ferrari. Pour l'instant, Vettel est en passe de gagner son troisième Grand Prix consécutif. Mais Giovinazzi compte bien l'en empêcher. Attention tout de même hein, à ne pas faire de bêtises. Effectivement, Vettel qui poursuit pour l'instant. Et on voit quelques gouttes aussi ici dans le troisième partiel. Voilà, ça commence à ruisseler sur les cockpits des voitures. La pluie arrive. Maintenant, sera-t-elle d'intensité suffisante pour obliger les pilotes à passer en intermédiaire? Il reste actuellement 9 tours de course dans ce Grand Prix d'Autriche. Et on a Leclerc qui est donc bien troisième. Trois moteurs Ferrari aux trois premières places. C'est aussi important. Et Bottas qui est quatrième, qui n'a donc pas ravitaillé, mais qui a perdu beaucoup de temps avec son aileron avant endommagé. Il attend peut-être de rentrer d'ici un tour ou deux pour changer de museau et passer les intermédiaires. À l'image des deux Renault, toujours en lutte pour la sixième position. Et derrière, on a une Red Bull qui revient très très fort. Après avoir subi de gros soucis. Situation is an interesting one, but I think the right call is to stick with what we've got right now. Alors ça commence à glisser, vous le voyez pour Giovinazzi, mais à la radio on dit que pour l'instant les gommes pour piste sèche sont le meilleur choix possible. A new strategy is available on the MFD. Confirmed. Et on annonce un retour chez Ferrari à la fin de ce tour. À la fin de la 25e boucle, sans doute pour aller chausser des intermédiaires. Attention à l'attaque à l'extérieur de Giovinazzi sur Vettel pour prendre la tête du Grand Prix. C'est important, c'est à qui sera le premier dans la pit lane. La position est primordiale
Et de la pluie dans le premier partiel, maintenant on le voit à l'image, maintenant il pleut véritablement. De quoi inciter les pilotes à chausser les gommes à bande verte, les intermédiaires. Qui sera le premier dans la pit lane ? Check your MFD for a new strategy option. Copy. Et à 10 tours de l'arrivée, 9 tours presque, on aura donc le premier arrêt au stand. Et c'est donc, semble-t-il, les deux Ferrari qui vont rentrer en même temps. On s'annonce avec un double arrêt. Oui, les pilotes qui étaient plus loin, eux, peuvent déjà opter pour des intermédiaires. Et on change le museau de la Force India de Sergio Perez. Et du temps perdu, ça va permettre à Ricciardo de reprendre une place. Et tout le monde en intermédiaire, ça c'est logique, on voit Grosjean. Est-ce qu'il y a eu des doubles arrêts? Je ne sais pas. Chez Ferrari, on se pose encore la question. Et finalement, Vettel qui va rentrer. Est-ce que Giovinazzi continue? Non, les deux Ferrari qui rentrent. Et ça, ça va être un coup de massue terrible pour l'Italien qui va perdre du temps derrière son équipier. Attention, les deux roues dans l'herbe, là ça glisse beaucoup. Et Ferrari qui va donc s'atteler à un double arrêt, c'est trop dangereux de laisser Giovinazzi un tour sous la pluie, il préfère perdre quelques secondes derrière Vettel. Alors, les intermédiaires pour l'Allemand, pour lui, pas de problème, il est premier pilote et ça repart. Et Giovinazzi, voilà qui peut être accueilli, mais il a perdu quand même beaucoup de temps. Leclerc qui va ressortir sans doute deuxième de ce Grand Prix d'Autriche, voilà Leclerc deuxième. Et Marcus Ericsson, troisième. On voit l'arrêt du pilote monégasque et il ressort devant Giovinazzi. On aurait donc Vettel, Leclerc, Ericsson, Bottas, Giovinazzi, tous en intermédiaire. Ça, ce serait le classement provisoire. Et les deux Renault qui ressortent et Verstappen qui passe cinquième. Catastrophe pour Giovinazzi, mais il n'avait pas le choix. La pluie est tellement intense que ça aurait été beaucoup trop risqué d'effectuer un tour supplémentaire en intermédiaire. Et du coup, la lutte pour la deuxième position oppose les deux pilotes Sauber. Oh, et on s'est loupé. Ah, Leclerc peut-être avec des pneus frais. Quel incroyable scénario pour les pilotes Sauber. Et du coup, Sainz et Hülkenberg qui sont 6 et 7e. Et donc, on a Vettel, Leclerc, Ericsson qui se battent pour la deuxième place avec le Finlandais, le Suédois pardon, qui a pris le meilleur sur le Monégasque. Alors maintenant Giovinazzi, c'est attaque maximale, il avait potentiellement le Grand Prix gagné, c'était le cas également pour Verstappen. Finalement les deux se retrouvent mais en lutte beaucoup plus. Et regardez les gerbes d'eau qui, on n'est pas loin de monter des pluies hein, parce que là la pluie est vraiment plus intense qu'une légère ondée comme annoncé par la FIA. Là vraiment si certains viennent chausser des pneus foulouettes, ce ne serait pas une grosse surprise. Et la pluie qui est venue vraiment sur deux tours complètement bouleverser la hiérarchie. Effectivement, Ferrari avec ses deux voitures qui se suivent n'avait pas d'autre option que de faire rentrer les deux pilotes en même temps. Même si Giovinazzi a essayé d'arriver avant Vettel dans la pit lane et il plonge dans le deuxième virage et il passe la voiture de Verstappen. Inutile de vous préciser évidemment que dans de telles conditions, l'aileron arrière mobile est désactivé pour des raisons de sécurité. Eh bien, quel Grand Prix d'Autriche pour l'instant. Vettel devant les deux Sauber Alfa Romeo. C'est quand même incroyable. On retrouve Giovinazzi en caméra embarquée, cinquième donc derrière Bottas. Alors Bottas, ça va être un peu plus facile d'aller le chercher avec son aileron avant abîmé dans des conditions pareilles. Je ne pense pas qu'il l'ait changé, sinon il aurait chuté au niveau du classement. On n'oublie pas Alonso hein, qui est aussi juste derrière à la 8e place avec la McLaren. Le leader du Grand Prix, le voici, Sébastien Vettel, en passe de remporter son 3e Grand Prix consécutif dans cette saison. Vainqueur au Canada, vainqueur en France. Et Ericsson et Leclerc, 2 et 3e. À Sauber qui ne va peut-être pas regretter la perte de Giovinazzi qui revient. Avec Bottas dans le premier droit. Et ça passe pour Giovinazzi. 4e place pour l'Italien. Alors, est-ce que du côté du Muret Ferrari, on va donner un petit coup de fil à Frédéric Vasseur pour Sauber? Parce que là, sincèrement. Et Verstappen qui a passé Bottas, hein. Bottas en grosse difficulté, voilà, Verstappen qui est 5e maintenant. Et du coup, va-t-on assister à l'arrivée sur le podium des deux Sauber? Ce serait un podium pour son retour pour Ericsson, ce serait quand même formidable. Et pour Giovinazzi, la 4e place est due sans doute à la malchance qui visiblement ne veut pas le quitter. Bottas à l'intérieur sur Verstappen, sans complexe, et il passe. Non, oh, il est pas content Bottas, ils se sont touchés. Et Verstappen qui va croiser. Bah oui, dès qu'on tourne à gauche, Bottas avec son aileron, c'est compliqué. Oh là là là. Je crois qu'on va en avoir jusqu'au bout de la bagarre dans cette 9e manche de la saison qui aura tenu toutes ses promesses.
Bottas, évidemment, à la lutte. Et regardez, Giovinazzi qui a fait la jonction avec Leclerc pour la troisième place. Pour l'instant, les deux Sauber sur le podium, mais ça ne va pas durer, à mon avis. You coping okay in this weather? We're watching the amount of standing water on the road, but now we think it's safe to stay with the Inter. Allez, il reste un peu moins de 7 tours pour revenir. Oh, Giovinazzi qui a bloqué un peu ses roues là. Frayeur, je pense, pour l'Italien sur ce coup-là. Il va passer Charles Leclerc sans trop de difficultés. Voilà, Leclerc qui va pas insister outre mesure. Quoique. Oh là là, ouais, Leclerc qui va même freiner sur le vibreur, ce qui n'est pas toujours conseillé quand il pleut. Et finalement, la Ferrari qui fait parler le châssis. Je pense que pour Ericsson, ça va pas durer un demi-tour non plus. Et imaginez, Giovinazzi revient sur Vettel. Imaginez, Giovinazzi revient sur Vettel pour aller se battre pour la victoire. On n'en est pas là, évidemment, il reste 5 tours. Voilà, Heavy Rain, donc pluie forte, attendu, un petit écart de Marcus Ericsson. Et ça passe pour Giovinazzi. On a donc deux Ferrari, deux Sauber, une Red Bull, une Mercedes dans le top 5. Et voilà, maintenant la piste est libre pour l'Italien. Hop, qui est allé d'ailleurs chercher un petit peu de largeur là sur ce coup-là. Et donc Ericsson et Leclerc se battent pour la troisième place désormais, puisque Giovinazzi a repris la deuxième place. Et pour l'instant, Giovinazzi qui tourne une seconde et demie plus vite autour que Sébastien Vettel. Rendez-vous compte. On en est loin d'avoir le verdict de ce Grand Prix d'Autriche. La lutte pour la septième place entre les deux. Renault et Hülkenberg à l'extérieur sur Sainz. Passera pas cette fois. Allez, retour dans le cockpit de la Ferrari à la chasse de sa sœur. Alors, bataille pour la 16e place entre Grosjean et Magnussen. Bah oui, on s'amuse partout hein, quand on vous disait qu'il y avait de la lutte à tous les étages. L'équipe Haas qui est en train de boire le calice jusqu'à la ligne, mais qui là vraiment est en train de sombrer. C'est encore Alonso hein, qui va mettre à lui tout seul McLaren la tête hors de l'eau. Bon, on va arrêter avec le champ lexical, mais sincèrement... Et regardez les écarts avec Giovinazzi sur la ligne par rapport à Vettel. Et peut-être que Verstappen va priver Ferrari de son quadruplé moteur. En tout cas, Ericsson et Leclerc résistent, mais on voit dans le bas de l'image. Voilà, la Red Bull qui s'insère maintenant dans le cadre de votre écran. C'est vrai que ce serait une triste récompense pour Verstappen de terminer en dehors du podium. Giovinazzi qui a pu aller chercher les deux Sauber. Il était dans cette voiture il y a encore une semaine au Grand Prix de France. Et il remercie évidemment Sauber de l'accueil et de la confiance. Et Marcus Ericsson qui s'est dit d'ailleurs ravi de revenir avec une voiture aussi bien préparée que par son équipier. Comme quoi, la communication c'est toujours très bien en Formule 1. Ici, à ce qu'à l'extérieur, voilà, on doit essayer aussi pour Ericsson. C'est beau de voir les deux... Les deux Sauber s'expliquer, là, sans complexe à l'intérieur, Ericsson, c'est bien joué ça, de venir mettre son museau à l'intérieur. Mais ça ne suffira pas, hop, il va même perdre du temps là, du coup, s'il était complètement hors trajectoire, il y avait un peu plus d'eau sur la partie gauche de la piste. Ouais, la pression est forte hein, sur les deux pilotes Sauber, faudra tenir, ça va être compliqué. Reste 6 boucles pour ces deux-là. Avec Verstappen, 5e du coup, regardez, dans véritablement le diffuseur d'Ericsson. Le moteur Honda sous la pluie qui est meilleur, hein, on le savait, on l'a vu en France. L'écart avec Vettel et Giovinazzi qui chute de 1 seconde et demie par tour. Rendez-vous compte, 1 seconde et demie par tour. Vettel qui doit, à mon avis, avoir gardé sous le pied pas mal de choses. Il y a peut-être aussi une surconsommation. Faut pas oublier que la pluie, selon le poids du carburant embarqué, fait consommer un peu plus. Donc voilà, peut-être que Vettel est en délicatesse, ou alors il conserve tout simplement sa voiture au cas où reviendrait son équipier. Mais je m'inquiéterais si j'étais lui, parce qu'au rythme d'une seconde 5, avec 2 secondes 7 d'écart dans 2 tours, Giovinazzi est aux fesses de son équipier.
Voilà, donc la pluie qui était un peu plus importante, hein, c'est vrai qu'il pleut vraiment là depuis quelques minutes, eh bien va redevenir plus calme, on va sans doute avoir une petite amélioration. On conservera les pneus intermédiaires jusqu'à l'arrivée, et il va rester 3 boucles pour déterminer le vainqueur du Grand Prix. Vettel est bien parti, hein, 2 secondes d'avance. Pour l'instant, beau travail de l'équipe Sauber, puisque eh bien, on a un peu sacrifié Ericsson qui est en train de conserver peut-être les chances de podium en retenant la Red Bull de Verstappen. Mais jusqu'à quand? Cela permet tout simplement à la voiture de Leclerc d'avoir un peu d'avance. Et voilà, il est passé finalement. Le Néerlandais, est-ce que Bottas va lui aussi avoir sa chance? Il en a perdu donc une Sauber dans le top 4, mais il a toujours une sur le podium qui reste 100% moteur Ferrari. Je vois bien Verstappen revenir sur Leclerc quand même d'ici la fin de ce Grand Prix. Allez, l'écart était de 2 secondes pleines entre Vettel et Giovinazzi au dernier pointage affiché. Regardez la vitesse à laquelle Giovinazzi revient, hein, littéralement. Et il y a des retardataires, il va y avoir des voitures plus lentes devant Vettel, semble-t-il. Oui, c'est le risque, hein, sur des circuits plus courts comme Monaco et ici, et d'avoir effectivement un retour sur les pilotes les moins rapides ou les plus malchanceux de la course. Il ne m'étonnerait pas que ce soit de Williams, sans vouloir être une mauvaise langue. Regardez Vettel qui a fait une faute, Vettel qui s'est un peu loupé dans le dernier droit. Il y a une petite rigole, hein, qui traverse la piste. Et on est presque au bout de ce Grand Prix d'Autriche. Il va nous rester 35 tours couverts, 2 tours à couvrir. Et Giovinazzi qui va être là. Ah, le dernier tour là qui va valoir de l'or pour la victoire. Vettel va-t-il gagner son 3e Grand Prix consécutif? Giovinazzi va-t-il s'imposer pour la première fois à bord d'une monoplace au cheval cabré? Alors où faut-il remonter pour trouver la victoire d'un Italien sur Ferrari, sans doute à plus de 25 ans? L'Italien à avoir piloté pour la Scuderia Ferrari, c'était Giancarlo Fisichella et Luca Badoer en 2009, officiellement. Ils avaient remplacé Felipe Massa après son accident en Hongrie. Et donc Fisichella, le dernier Italien, véritablement, va rouler pour la Scuderia. Et on attend de la pluie forte dans 10 minutes. Donc les contradictions avec la radio Ferrari sont réelles avec la météo officielle de la FIA. Il va rester exactement 4 km et 318 mètres, le 36e et dernier tour de ce Grand Prix d'Autriche. Et Giovinazzi qui est revenu au contact de Vettel. Et ça va être très difficile de départager les deux pilotes. Il a une chance d'y aller. Giovinazzi, il sait que Vettel est moins bon. Et il va protéger l'intérieur, le champion du monde allemand. Alors là, messieurs, s'il perd de tout, on a une victoire Sauber pour Marcus Ericsson pour son retour en Formule 1. Rendez-vous compte. Non, c'est Leclerc, pardon, qui est troisième. Ça aurait été beau qu'Ericsson soit devant. On souhaite passer évidemment à Ferrari qui va faire carton plein au niveau pilote. Et écurie, il attaque à l'intérieur de Vettel pour reprendre l'avantage sur Giovinazzi dans le deuxième virage. Magnifique. Giovinazzi qui prend la tête du Grand Prix de manière assez significative maintenant. Il reste 2 partiels. Oh, ce serait formidable de revenir et de gagner immédiatement pour la Scuderia. Le doublé. La punition aura-t-elle son effet? Giovinazzi va-t-il s'imposer pour son retour au sein de la Scuderia? C'est ce qu'il aurait dû faire en Chine. Il l'a raté de peu. C'est ce qu'il aurait dû faire à Bahreïn. Ça n'a pas fonctionné avec les pneus. Cette fois-ci, ça semble bien parti. Giovinazzi qui va donc remporter. Il lui reste 2 virages. Le Grand Prix d'Autriche. Et voilà, c'est fait. Giovinazzi qui remporte le Grand Prix d'Autriche, 9e manche du championnat du monde, doublé pour la Scuderia Ferrari, c'est fait. Drapeau à damier ici au Red Bull Ring, c'est fait. Victoire de l'Italien. Fantastic drive, just fantastic. You deserve that race win. Et effectivement, il la mérite cette belle victoire. 25 points pour Giovinazzi et le doublé de la Scuderia qui rend évidemment Maurizio Revivene très heureux de cette situation. La victoire pour Giovinazzi. Et on va retrouver dans quelques instants le vainqueur du Grand Prix aux côtés de Claire pour discuter un petit peu de cette course folle où la pluie est venue se mêler du scénario initial. Et la 3e place, ne l'oublions pas, pour Charles Leclerc. Un podium 100% Ferrari, 8e. Nico Hülkenberg a l'air plutôt satisfait. Avec vous, ça semble facile. Le public a l'air comblé. Est-ce qu'on peut rêver d'une plus belle victoire que celle obtenue sur ce circuit? Encore un podium. Ça devient une habitude, on dirait.
Est-ce que votre ancienne équipe vous manque? On dirait que le vent a tourné. Vous avez fait beaucoup mieux qu'au dernier week-end, n'est-ce pas? Bien, ce sera tout, merci. Quelle victoire aujourd'hui pour Antonio Giovinazzi qui s'impose le doublé de la Scuderia Ferrari. Ce fut très mouvementé, ça s'est joué à peu de choses, mais finalement la pluie est venue perturber le déroulement des opérations pour notre plus grand plaisir. On a vécu un très beau Grand Prix d'Autriche, Red Bull un petit peu moins évidemment avec ces deux voitures, 3e et 4e au classement constructeur. On va y venir dans quelques instants, mais vous voyez que Giovinazzi conserve ses 14 points d'avance, tout comme la Scuderia Ferrari face à Red Bull. En tout cas, Giovinazzi est de retour au sein de la Scuderia. Il remercie ses patrons de la meilleure manière avec le doublé devant Sébastien Vettel. Les deux pilotes en rouge arrivent sur le podium et trois moteurs Ferrari, puisqu'on a la très bonne performance du Monégasque Charles Leclerc, 3e avec la Sauber Alfa Romeo. On se donne rendez-vous pour un Grand Prix d'Angleterre qui sera le cap de la mi-saison. On le dit souvent, la 10e manche avec au programme peut-être encore de la pluie. Vous le savez, en Angleterre, rien n'est jamais sûr à ce niveau-là. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.